That's it, Brian? Yes. Bonjour tout le monde, c'est Big Games TV et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en saison en ligne sur FIFA 15. Donc on a pris le Real Madrid. Pourquoi le Real Madrid? Parce que bon, je suis un gros fan du Real Madrid. Hein, c'est un de mes clubs préférés dans le monde. Donc dans un premier temps je prends le Real Madrid. Donc vous allez me proposer, enfin si vous voulez que je prenne d'autres équipes, un peu moins fortes peut-être pour que ce soit un peu, voilà. Vous pouvez les proposer en commentaire. Bon, maintenant s'il y a personne qui me propose, ben, je continuerai avec le Real. Avec le Real, pardon. Donc, oh putain la lucarne que Sergio Ramos t'a mis. Ah vas-y, le jour où il met ça en vrai mon gars, les poules elles auront des dents. Oh c'est abusé. Ah il a quand même une sale frappe. Donc là il est 20h32, hein, anecdote de mes couilles, on se bat les couilles. Voilà, hop. Ah donc on tombe contre le Barça, ce qui n'a pas étonné. Donc avant, ah attention. Ok. Je vois, on va voir si ton attention vraiment fait si peur que ça. Il va pas mettre un tout droit avec Iniesta. Il va pas mettre un tout droit avec Iniesta, non, t'as cru. Bon, Sergio Ramos, on va la dégager dans le trou. Hop, je pense qu'il a anticipé. Oui, il a bien anticipé, bien sûr, comme je l'avais bien dit. Hop, tu as remis à Modric, tu lui as mis oh, bien joué le décalage. Pour Ronaldo, ça c'est l'action qui fait mal. Mais pourquoi? Non, j'aurais dû faire un centre, j'aurais dû faire triple carré, en fait. Ça aurait été un peu mieux. Ça aurait été un peu beaucoup plus puissant, en fait. Et ouais mon gars, il y a Sergio Ramos devant toi hein. C'est Sergio Ramos. Ah ouais, il est hors jeu. Oh par contre il m'avait mis une sale frappe là. On va essayer de pas trop se précipiter non plus parce que ça pourrait bien nous pénaliser. Hop là on voit Ronaldo qui contrôle pas ce ballon. Et qui va la laisser sortir. Voilà mais putain. Ce mec a un nom de général mais il sert à quoi putain. Non, notre général donne la Jeff Louis, hein. Putain, ça le ferait évoluer un petit peu. Allez, tu veux partir Benzema. Boum. Et voilà. C'est 1-0, voilà pourquoi j'ai envie de marquer à chaque fois, dès le début du match. Donc c'est un but, vraiment assez joli dans sa construction. Elle a un triangle à la FIFA 14. Un contrôle parfait, même. Il contrôle même pas en fait, boum. Et il laisse un ou deux rebonds, je sais pas compter. Et puis après, boum, il mitraille le gardien. Oula, il sent chaud là avec ses passes. Oula, par contre, moi aussi, il faut que... Hein, hop. Ah, moi aussi, je peux me sentir chaud avec mes passes. Un compte favorable. Ah, boum. Non. Allez, tu commences à mal jouer là. Ah, bien joué. Ah. Attention. Attention. Oh putain! Genre Messi du pied droit! Genre Messi est tellement bien cheaté qu'il peut te faire tout n'importe quand. Hein. Limite le mec il est sur le côté, point de corner, il te fait une retournée, il te la met en pleine lucarne, bien sûr. Ou alors il te la fait tellement puissante que le gardien il va la repousser dans le but là. Oh bien joué, c'est mon gars, c'est arrivé. Voilà, c'est bien ça! C'est bien! J'adore! Maintenant tu fais une fin de frappe, tu enroules-moi ça! Hop, on ouvre, voilà. Ça c'est l'intelligence de jeu. Ça c'est l'intelligence de jeu. Non. Tire. Oh. 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 Ah, hop, tu donnes ta balle. Voilà, on joue au foot. On joue au football. Reprise. Bing. Voilà, 2-0. 2-0, Benzema, l'homme du match. Offensivement, c'est lui. C'est lui le maître. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, la vidéo de Pécars et aussi la vidéo de PES. Parce que quand, à ce moment, en ce moment où là je tourne, en ce moment la vidéo PES n'est pas encore sortie, mais au moment, en ce moment. Oh pff, je n'arrive plus à parler. Au moment où cette vidéo sera sortie, la PES sera déjà sortie. Donc je vous préviens déjà. Mais non, ça sert à rien de vous prévenir. Non. Bah putain. Quand j'ai tourné la vidéo précédente, je me suis bien énervé, mais bon, quand je vois ce qui rate là. Bon, écoute, j'espère que sur la vidéo PS, vous nous aurez bien entendu. Enfin, mon cousin qui m'a dit qu'on s'appelle pas.
nous avait pas entendu. Enfin, on nous entendait, mais bon, voilà, quoi, tu vois, c'est pas comme sur la vidéo de maintenant, parce que j'ai pas trouvé d'option pour baisser le son du jeu, donc j'ai dû parler assez fort, et bon, puisque j'habite quand même dans une maison où nous sommes pas débarqués pour gueuler dans la maison tout le temps, donc j'ai dû retenir un peu ma voix, même si, bon, j'ai essayé de parler un peu plus fort que d'habitude, mais j'espère que vous nous entendrez assez pour comprendre. Tant que vous comprenez ce que je dis dans l'intro, enfin dans l'intro, quand je présente les nouveautés du jeu, et à la fin, où on donne notre ressenti avec Audrey, tant que vous nous entendez bien là, il n'y a aucun souci, parce que dans le match, on a vraiment rien dit sur le truc. On a juste dit au début du match, ouais, les joueurs sont très très bien faits, mais ça je pense que vous nous avez entendu, parce que j'ai un peu regardé la vidéo avant qu'elle soit envoyée. Ouh, 62e minute de jeu. 2-0 pour l'instant. Hop, on lui prend la balle et on rate. Voilà, ça c'est... Voilà, je pense que je vais parier sur Betfirst dans pas longtemps. Hein. Donc Carvajal qui bat Messi au physique. Pépé qui tacle, qui s'étend sur 45 km de long. Et ça c'est le but. Non ! Il loupe ça, frérot ! Oh là. Enfin, je préfère... Enfin, perso, moi à sa place, si je loupe ça, ça me ferait rager, mais moins que le premier, quoi. C'est pas moi que le premier qu'il a loupé où je lui donne le ballon. Ça joue au foot, ça. Ça, c'est ce qu'on aime voir sur un terrain de football. Oh putain. Donc, on joue au Santiago Bernabéu contre le Bayern Munich, qui ne m'a pas souri dans la vidéo que j'ai tournée avant. Donc, on se méfie. En plus, les Allemands, c'est des boches, hein, comme mon sèche-linge. Et oui, Toni Kroos qui joue contre ses anciennes couleurs. Non. Non. Mais putain, non. Putain. Oh non, mais c'est pas possible. Des buts comme ça. Putain. Des buts comme ça. Putain. Non, mais c'est pas possible. En plus, j'avais anticipé. Putain. Putain, vous avez bien fait de vendre Casillas, hein, Real Madrid. Parce que là, putain. Pourriture que c'est, lui. Mais qu'est-ce que tu fous? Mon gars, le football, ça se joue avec une balle, hein. Toi, tu cours sans la balle. Boum. Non, putain. Allez. Allez, on peut toujours croire en nos chances. C'est pas fini. On a Pépé, qui veut mettre son gros crâne. Non. Non, Pépé. C'est bon, c'est mort hein, maintenant. Allez hop, il va. Monsieur prend tout son temps. Hein, comme par hasard, il a lâché à ce moment-là, bien sûr. Oh, merci. Allez, gagne-moi ce duel. Gagne-moi ce duel. Le duel, c'est le match. Putain, mais il faut toujours qu'il y ait une jambe. Hein. Non, c'est mort. Non, c'est pas mort. C'est pas fini. C'est pas terminé. Maintenant, c'est terminé. Non, mais c'est quoi cette... Non, mais... Putain, mais c'est pas possible. What? Is the fuck? Putain, on perd 0-1 sur un but de merde. Putain, personne. Donc voilà, on peut reprendre enfin. Donc, petite interruption, hein, c'était mon frère qui est venu me faire un peu chier. Enfin, non, enfin, il essayait d'éternuer comme ma mère. Ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, je reviens. Un match comme ça a toujours des fins pareilles et c'est souvent contre moi. Donc c'est génial, je garde la pêche. Non. Bon, franchement, pour me venger, il y aura encore une vidéo sur ce mode saison parce que franchement. Et je vais pas évoluer dedans, hein, vous inquiétez pas, hein, je vais pas évoluer. Et dans la prochaine vidéo sur ce mode là, la prochaine vidéo FIFA ce sera dans ce mode là, on essayera de gagner le titre. Car tout simplement, si on gagne les deux matchs, ben, c'est le titre en fait. Ou alors on fait on gagne une fois et on fait un match nul. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, vous abonner, me follow. Me follow sur Twitter, hein, le petit oiseau là, pigeon. Donc au passage, pigeon, Benzema qui en a tué un, Paul, voilà, il a tué le pigeon. Excusez-moi, famille pigeon, enfin bref, le mec qui parlait des pigeons, c'est trop bien. Donc voilà, moi je vous dis, prenez soin de vous.